Yahoo Billy Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui du coup je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo bonus où on va ouvrir du coup une boîte de Chunin Jump. Donc si la suite t'intéresse, continue. Hop, c'est parti. Donc là par contre on n'a pas de taux de chance, on a une chance sur 12 pour tous. Donc ça c'est pas mal, déjà ça permet d'avoir à peu près l'équivalent au niveau des chances. Alors je vais redire du coup forcément ce que moi ça m'intéresse le plus et ce qui m'intéresse forcément le moins. Donc, Death Note, il n'y a pas de problème. Même si, comprendra ceux qui ont vu la vidéo. Dragon Ball Z, honnêtement, je ne suis pas fan. Donc, au pire du pire, je veux bien avoir les deux là. Donc, Son Goku et Vegeta, si je ne dis pas de bêtises. Bleach, ça ne me dérange pas de les avoir. Naruto, je préférerais avoir Naruto et ne pas avoir Sasuke. Et je préfère ne pas avoir Luffy et avoir Chopper, si je ne me trompe pas. Mais, ça... à éviter et voilà, en fait là vous avez vraiment ce que j'ai envie de posséder, voilà. Et oui, quand il y a la moitié de la collection c'est pas terrible, mais bon, j'avais vraiment envie de l'avoir. Hop, clac, hop là. Donc du coup je sens des cheveux en pétard, mais sur le côté, je dirais Sasuke, mais j'ai peur, non. Alors là, c'est compliqué parce qu'ils ont pas mal de cheveux en pétard. Ah, 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 je pense qu'on a du coup Son... Non, c'est pas Son Goku, c'est... Bon, bref, on range. Je suis désolée, mais des Dragon Ball Z, toute la, la collection de la au niveau de la série, ce n'est vraiment pas mon délire. Donc, voilà. J'en ai plus ou moins. Donc, je sais même pas si c'est lui. Si, c'est lui. Bingo! Oh, encore, j'avais dit, ce n'est pas celui qui me dérange le plus. Donc, voici la figurine que l'on a eue pour cette fois-ci. Donc en fait c'est les cheveux comme ça sur le côté qu'on sentait énormément et donc forcément c'était assez évident. Mais j'ai essayé de voir au niveau d'ici en fait, parce que comme eux on les sentait beaucoup moins, je me demandais si c'était pas quand même Sasuke, mais non. Hop. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager. Pensez surtout à vous abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas du coup à aller voir dans le petit i, je vous aurais mis un sondage du coup pour savoir si ça vous intéresse d'autres vidéos ouvertures, soit de mystérie mini, soit de figurines. Sur ce, à bientôt !